téléspectateurs, bienvenue à votre émission Le mariage chez nous. Grâce à cette émission, vous avez la chance de connaître comment le mariage se prépare et se célèbre dans beaucoup de communautés du Tchad. Aujourd'hui, encore une fois de plus, c'est avec les magistrats qui vont nous aider à connaître le rôle d'abord d'un juge coutumier et entre-temps, le code des personnes et de la famille qui n'est pas encore là au Tchad. Comment ils font pour faire la jonction, pour harmoniser la relation entre les vouloirs de la tradition et ce que la loi défend. Pour en savoir plus, suivez-moi au plateau. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour président Tivina. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Pierre Nedou Girard et le président du tribunal, Amit. Donne la possibilité à nos téléspectateurs de connaître comment le mariage se prépare et se célèbre dans les différentes communautés. Parce que chaque communauté a de vouloir les us et coutumes qui diffèrent d'une communauté à une autre. Mais entre-temps, il y a aussi la loi. Et on dit, nul n'est au-dessus de la loi. Et entre-temps, il y a un petit souci, code des personnes de la famille au Tchad, ça n'existe pas. Et à la justice, il y a les juges coutumiers. Comment ceux-là font pour faire la jonction entre ce que la loi interdit et la coutume prône? On commence par vous, monsieur le procureur. Père, quel est le rôle d'un juge coutumier? Merci, monsieur Patrice. C'est toujours avec plaisir que nous prenons part à cette émission. Nous demander quel est le rôle du juge coutumier revient d'abord à les situer dans le contexte. Qui est-ce qu'on appelle juge coutumier? Les juges coutumiers, ce sont les assesseurs qui sont nommés par arrêté du garde des Sceaux. Et eux, ils ont vocation à devoir éclairer le magistrat lors de prise des décisions, parce qu'ils sont censés connaître les us et coutumes. Et lorsqu'il sera question de faire appel à l'application d'une coutume déterminée, le magistrat, peut-être que n'étant pas du milieu, ne saurait appréhender tout le contour de coutume. Et il fait appel à ces juges coutumiers-là, qui sont des assesseurs qui assistent aux audiences et qui aussi ont voix délibérative, lesquelles vont permettre au magistrat d'asseoir sa décision ultérieure sur des bases saines. Ok. Bon, peut-être moi aussi, par rapport aux juges coutumiers, peut-être. Merci, comme le procureur. Je peux dire la marche sur moi là. Tout à fait normal, ce que le procureur venait de dire. Les juges coutumiers sont là donc dans toutes les juridictions du Tchad. Comme il venait de dire, sont recrutés par arrêté de garde des Sceaux. Et il faut partir de la proposition dans toutes les audiences civiles pour que la juridiction puisse trancher les affaires qui oppose les partis. Okay. Je crois que leur présence est nécessaire. Toute audience prise sans présence de ces assesseurs serait donc on va considérer comme une audience qui est à l'égard de la loi. Mais est-ce qu'ils sont formés aussi à l'ENAM bon, ou à l'école de formation judiciaire? Ou bien il y a une école pour ça ou bien les juges coutumiers? Pas du tout. Pour le moment. Il n'y a pas de formation particulière à ma connaissance. Oui. Ou bien être formé à l'école, je crois que jusqu'à l'heure actuelle, il n'a pas eu cette occasion. Ok. Comme je l'ai dit au prélude, le mariage est le seul moyen pour fonder une famille, une société. Mais on se rend compte que ce moyen rencontre d'énormes difficultés pour sa fondation et même pour sa viabilité. Dites-nous un peu, quels sont les genres de causes de problèmes matrimoniaux que vous gérez à la justice? La cause des problèmes matrimoniaux que vous gérez à la justice, c'est d'abord quoi? Bon, et puis entre-temps, revient sur le PR. Oui. Donc, nous avons beaucoup de problèmes. Le mariage en tant que tel, en principe et conformément à la loi, on devrait célébrer donc devant l'officier d'état civil, de manière officielle. Mais jusqu'à maintenant, nous basons sur le code civil d'état français. Donc, qui est daté 1958. Jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons sur ce code. Avec ce code. Mariage officiel, je crois que
aujourd'hui, si on fait constat un peu, 70% des mariages médiats passent en dehors de procédure normale. C'est-à-dire, les gens se passent, c'est le coutume. Ça, c'est l'une des causes déjà, voilà. Si on va bien. Donc, voilà, en conséquence, après, donc, mariage coutumier qui est reconnu par le législateur tchadien, comme c'est un mariage, a des effets et des conséquences aussi. Je l'ai dit. Donc, chaque fois, s'il y a un problème à la famille, donc, le parti ou l'une des parties qui n'a pas, donc, qui estime qu'il est aisé, saisir la juridiction civile avec une requête simple adressée au président Temba. Mais les problèmes que nous vivons aujourd'hui, on a tant de problèmes au niveau de ça. Parce que la majorité de nous, justiciables, ne connaissent pas de procédure. Il y a trop de problèmes à la maison. Ils ne savent pas par comment gérer ou régler ces problèmes. Donc on trouve vos problèmes familiaux, les gens devant les officiers de police judiciaire, des commissariats, ainsi de suite. Okay. Et parfois devant donc, peut-être l'église, une grande partie à la mosquée également, devant le comité islamique. Donc c'est ça le problème, mais il y a des problèmes quand même, tu peux dire. Okay. Beaucoup de problèmes. Père. Il y a beaucoup de causes là, c'est quoi ce qui amène les gens là, chez vous là-bas, là, c'est quoi? Bon, le mariage en tant que tel ne pose pas en lui-même de problème, mais ce sont les conséquences qui découlent du mariage. Okay. Lorsque mariage, il y a, quelquefois, il y a le problème de divorce, il y a cet antagonisme entre la tradition, les droits positifs. Donc c'est à ce titre-là que le juge civil est de temps en temps saisi, pour devoir se prononcer sur les conséquences. Et vous allez m'excuser, mais je suis parquetier. Et l'aspect du mariage purement civil est beaucoup plus géré par le tribunal. Mais nous, en tant que parquetier, les causes qui nous parviennent, lorsqu'il y a mariage, lors des mésententes, il y a le conflit de genre qui se pose, et les cas de coups et blessures volontaires, et l'infraction d'adultère, ce sont ces aspects pénals que nous, on essaie de gérer. Mais dire que mariage, s'il y a, quel est le problème du mariage? Le mariage ne pose pas de problème. Ce sont ses conséquences. Ok, ouais. Merci. Les juges et coutumes font partie du fondement des droits. Jusqu'à là, le Tchad ne dispose pas le code de personne et de la famille, comme je l'ai dit. Dites-nous encore, Pierre. Comment faites-vous pour harmoniser la relation entre ce que la coutume prône et la loi interdite? Est-ce qu'en droit, on dit, ce qui n'est pas interdit, autorisé, même s'il n'y a pas le code des personnes de la famille, est-ce que la tradition doit primer ou bien ça se passe comme... Il faut situer les cadres des choses. Oui. La loi fondamentale, la constitution du 4 mai 2018, portant la 4e République, fait ressortir clairement que les coutumes, les us et coutumes qui sont contraires à la loi sont bannis, ne doivent pas avoir libre cours dans cette cité. Okay. Donc à ce titre, déjà, il n'y a pas de problème. Le problème est réglé. Okay. Si la coutume est contraire à la loi fondamentale, cette coutume n'a pas de droit de cité. Okay. Maintenant, étant africain, nous avons nos coutumes qui ne heurtent pas l'ordre public. Qui ne heurte pas la conscience commune. Il revient au magistrat qui est un être humain, parce qu'il n'est pas un automate. Il lui revient d'apprécier est-ce que telle ou telle coutume peut être conciliée avec la loi sans toutefois troubler à l'ordre public. Donc on les apprécie au cas par cas. Au cas par cas, waouh. On revient vers vous, Président. Pour qu'un mariage soit valable aux yeux de la justice, qu'est-ce qui est recommandé? Pour moi, s'il y a des recommandations à faire, le mariage officiel est très important. Officiel. Et en cas de problème, c'est facile à régler. Ok. C'est-à-dire s'il y a des liens. Vraiment, je sollicite que les citoyens tchadiens qui ont désir de se marier s'adressent à officiers de l'état civil. L'état civil. Donc, avec ces problèmes, aujourd'hui, nous avons tout genre de problèmes, notamment devant les juridictions civiles. Les dossiers sont entassés carrément. Les mariages qui se lèvent en dehors des
ou bien au-delà, je ne sais pas, peut-être en dehors de l'état civil. État civil, oui. Il y a des conséquences très difficiles à régler aussi. Très difficile. En cas de problème. Donc, vraiment, je souhaite que les citoyens tchadiens, au lieu d'aller se marier de manière coutumière et continuer de cette manière, il suffit de s'adresser devant un officier d'état civil. Oui. Et nous avons aujourd'hui, en République du Tchad, les officiers d'état civil là, sont là partout. Dans toutes les maintenant, dans les arrondissements, maintenant même. Ils sont déjà installés. Ils sont déjà installés. Donc, plus facile de s'adresser. Oui. Parce qu'en cas de problème, les juges peuvent trancher l'affaire de manière plus facile. Ok. Chers téléspectateurs, le message est plus que passé. Pour éviter des problèmes demain entre l'homme et la femme, ou bien entre, pour confronter deux familles, c'est mieux de faire les choses d'une manière normale, légale. C'est marié devant l'autorité de justice. Ça permet même d'éviter beaucoup de problèmes, comme le président du tribunal nous a dit. Je pense que le message est plus que passé. Mais entre-temps, pour vous se marier, il faut faciliter aussi la tâche aux jeunes, ou bien aux candidats au mariage. Quelque part, on dit les dots là, c'est exorbitant, c'est compliqué. Les dots là, c'est cher. Il y en a qui. Si on ne comprend pas comment faire pour faciliter la tâche aux jeunes ou bien aux candidats qui veulent se marier, de se marier tranquillement, peut-être pas beaucoup de contraintes. Monsieur Patrice, oui. Vous nous posez une question assez délicate, hein, parce que le quantum de la dot, il n'y a pas de loi qui prévoit ça. Là, nous sommes d'accord. Okay. Et ça dépend d'une communauté à une autre. Mm-hmm. Il est de coutume où l'on se marie par le nombre de têtes de bœufs, dans d'autres, par le nombre de têtes de chameaux. Mm-hmm. Il y a des coutumes où ce sont des paires de couteaux de jeu, couteaux de jeu, oui, ou de lance. Mm-hmm. Donc tout dépend. Mm-hmm. Maintenant, si aujourd'hui un jeune qui veut convoler en juste noces et qu'il estime que les moyens, la dot est exorbitante, à qui est-ce que ce dernier doit s'adresser? N'eût été à sa belle famille et autres. Et c'est aussi un constat qui est d'ailleurs réel. Il va falloir aussi qu'on essaie de concilier certaines choses. La dot, une dot exorbitante. La dot, on l'a toujours dit, elle est d'abord symbolique. Symbolique. Mm-hmm. C'est pour asseoir les liens avec. En principe, ça doit être symbolique ou bien c'est symbolique. Ça doit en par définition. Ok. C'est la symbolique. Dot est symbolique. Mm-hmm. Ok. Par essence. Par essence, c'est symbolique. Donc, mm-hmm. il faut qu'on revienne à cette définition qui est par essence. Mm-hmm. Et on connaît des hommes qui acceptent de prendre un montant infime sur la dot. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le fait de venir célébrer normalement, que ce soit un mariage traditionnel, c'est ce respect vers cette belle famille-là qui compte. Et non l'argent. Okay. Et si bon nombre de Tchadiens peuvent réaliser que ceci peut se passer avec aisance, cela va dans le bon sens de tout un chacun. Mmh. Et récemment, j'ai suivi aussi que sous d'autres cieux, il y a des lois qui ont été prises pour fixer le montant de dot. Okay. Donc, si les autorités tchadiennes estiment que quelque part exagération il y a, que les décideurs puissent s'asseoir et discuter de qu'est-ce qu'il faut faire pour le bonheur de toute une communauté. Ok. Mais, oui, est-ce que, si vous avez un président, si vous avez un message à dire à votre communauté pour faciliter la tâche aux jeunes de se marier, à combien vous pouvez demander qu'on fixe le taux des dots? Je dis vraiment, M. Patrice, je dis je fixe. Oui, c'est pour faciliter. Vraiment, moi, je dis, même dans la religion, oui. il est conseillé. La dot là, comme le procureur venait de dire, c'est très symbolique. Au fur et à mesure, si la dot est peu, c'est que le mariage même pas direct, sans avoir de problème. La vie aujourd'hui est changée. Et les gens ont laissé donc tout ce qui est la religion à conseiller. Même les coutumes même, on a laissé aujourd'hui. Les Tchadiens, je ne sais pas, on se retrouve dans quel lieu. Tout ce qui se passe maintenant en ville, notamment aux villes, dans toutes les villes, les montants de manière
qu'on est en train de célébrer le mariage. Donc, on est en train de dépenser les choses de manière vraiment incroyable. Ça, c'est pas un mariage ordinaire. Je ne vais pas considérer ce mariage normal. C'est-à-dire, c'est manque de respect. Vraiment. Je vais considérer comme tel. Donc, il est conseillé. Je ne sais pas, tous les intellectuels du pays peuvent conjuguer les efforts de faire des messages de sensibilisation pour que tout le monde essaye de changer la mentalité. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pas normal. C'est pourquoi l'émission Le Mariage chez nous est créée, voilà. Pour amener les gens un peu à l'ordre, à sensibiliser. Voilà. Voici le plateau. Voilà, les messages de sensibilisation sont vraiment. Oui. J'estime que c'est nécessaire. Ok. Donc, pour changer. Mais si vous devriez proposer un taux dans votre communauté, combien vous pouvez proposer? On revient au PM. Moi, je ne fais pas. Dans votre communauté, c'est pour votre communauté. Pour, voilà. Pour faciliter pour la ma chose. Communauté, je crois que Dieu me conforme aux exigences irliées en tant que musulman. Et dans la religion, il est causé, même si vous avez un coro de date, c'est possible d'accepter. Okay. C'est-à-dire minimiser. Voilà, les mariages, c'est pas donc ce qu'on avance, c'est pas ce qu'on achète des choses. C'est pas ça, le mariage. Son sens, c'est le sentiment, et c'est propre. C'est ça. Pour donc vivre. Le message est plus fort. Père, si dans votre communauté, de vous proposer. Monsieur Patrick, vous n'aurez pas une proposition de ma part. Non, parce qu'il faut. Bon, parce qu'on essaie de sensibiliser. Chaque couche, non. Bon, oui. D'abord, la justice et la communauté, si vous pouvez, parce qu'il y a. Vu les problèmes que vous rencontrez là-bas, est-ce que. On ne sait pas. Il n'y aura pas de montant. Mais il faut juste donner. Comme je le disais tantôt, quelque chose de symbolique, quelque chose d'infime, pour permettre aussi aux jeunes de voir se marier, donner la chance à tout le monde. Quoi. Le message est plus que passé. On a deux baobas qui sont au plateau et leur parole c'est jurisprudence. Je veux profiter également pour dire que voilà, donc à cause de cette dot-là exagérée, aujourd'hui les jeunes ne sont pas à mesure de se marier. Et les conséquences, maintenant, nous sommes en train de récolter. Exactement. Les enfants qui sont nés hors mariage, les problèmes donc, qui sont résultés, qui sont donc nés à ces, donc, aux enfants qui sont nés hors mariage. Il y a des conséquences à ces. Nous sommes maintenant aujourd'hui devant les juridictions là. On a tant de problèmes pour les enfants qui sont nés hors mariage. En plus, maintenant, les jeunes qui ont donc, fait des enfants, est-ce qu'ils sont en mesure de prendre leurs responsabilités à l'égard de la fille et le garçon, ou bien l'enfant qui est né. Donc, à ce niveau-ci, et légalement. Prendre aussi en charge, même ça. Voilà. Parce donc, que parfois, les gens sont obligés d'aller prendre des dettes et puis pour organiser le mariage. Et après, il faut payer les dettes avant de t'occuper de ta femme. Entre-temps, tu veux jouer. C'est pas aussi facile que ça. Merci. Non, le père nous parlait. Non, en fait, comme vous avez évoqué cet aspect. Le montant exorbitant amène les gens à contracter des dettes pour célébrer le mariage. Et ceci entame directement la vie commune à venir. Parce qu'on n'a plus les moyens de subsister. Et le couple prend un coup. Si d'aventure les enfants naissent de ce mariage, eux qui sont des pauvres innocents, ils en pâtissent. Les conséquences sont énormes. Sont énormes. Donc, chers téléspectateurs, le message est plus que passé. C'est bien de. Bon, les parents d'abord, parce qu'ils doivent accueillir une famille. Donc, il faut permettre à cette famille de se construire, surtout les deux qui vont se marier. C'est-à-dire d'avoir une assise avant de faire des enfants. Parce que s'il faut mettre le taux là, exorbitant, et qu'après il y a un problème, c'est la famille qui donne sa fille en mariage là, qui va aussi récolter. C'est pas seulement la famille qui prend la fille, mais la famille même de la fille. Et on va encore, comme on est la justice, on va rester à la justice. Est-ce que la justice tchadienne accepte ou reconnaît le concubinage? Père. Accepter. Le concubinage, c'est-à-dire le concubinage, c'est mariage par essai là. Dans le concubinage, on ne parle pas de mariage. On ne parle pas de mariage. C'est concubinage. C'est concubinage. Donc, parce que bon, comme les gens disent, bon, l'homme vulgaire dit concubinage, c'est mariage par essai. Non. On n'a pas envoyé un véhicule au garage. Il n'y a pas d'essai. Le concubinage est un état de fait qu'on constate. Deux hommes, un homme et une femme qui vivent ensemble.
sans toutefois avoir une base légale. Une base légale. Pas de mariage, c'est le concubinage. Voilà. Donc, ça le droit tchadien, reconnaître ou pas, mais c'est un état de fait et que le droit tire les conséquences de ce concubinage. Okay. Ce n'est pas que il est déterminé. Est-ce que le concubinage est admis par le droit ou pas? C'est la volonté des parties de vivre en concubinage. Si maintenant un problème advient, le juriste, le magistrat que nous sommes, tirons les conséquences de ce concubinage-là, qui n'a pas vocation à mariage. Bien sûr, bien sûr. C'est l'homme vulgaire qui dit c'est un mariage à essayer ou un demi-mariage. Bon, maintenant, arriver à la justice, il y a beaucoup de cas par rapport à ça. C'est lorsqu'on dit l'enfant naît hors mariage. Bon, il naît dans ce système-là, le concubinage. Vous avez un message sur Atir. Bon, je peux dire d'abord, le concubinage, il y a des conséquences, comme le procureur venait de dire. C'est les relations hors la loi. C'est les relations illégaux. Mais il y a des conséquences à assumer. S'il y a des enfants, on ne peut pas laisser ses enfants à la prison. Ou bien à la merci de Dieu. Ceux qui ont donc ceux qui sont d'origine de cet enfant doivent prendre les responsabilités. Donc, supposons un enfant né hors mariage, femme dans leur position. Quelques jours plus tard, la femme constate beaucoup de choses qui ne marchent pas. Elle fuit. Wow. Et on l'oblige de revenir encore par la force. Je crois que ça, c'est au-delà des lois, au-delà des religions. Et si la coutume continue de cette manière, je crois que continue de souffrir dans la souffrance. Vraiment, chers téléspectateurs, le message est plus que passé. Le consentement de vos filles avant de les donner en mariage compte vraiment, compte énormément. Prenez vraiment cela en compte. Il faut d'abord le consentement de votre fille, même si c'est un riche, même si c'est qui vient vers vous demander la main de votre fille, essayez de causer avec votre fille. Si elle est d'accord, tant mieux. Si elle a des objections, ça veut dire qu'il faut la laisser le libre choix. Qu'elle-même, un jour, elle se prononce, c'est mieux que de la forcer. Parce que le mariage, c'est un lieu de bonheur, de joie, hein, de partage communautaire. C'est-à-dire, c'est une communion entre l'homme et la femme. Va un peu. Mais lorsque c'est pas, il n'y a pas cette communion dans un couple, je pense que le problème est grave. Les leaders religieux et chefs traditionnels se plaignent du comportement de la jeunesse. Qu'elle ne suit pas les préceptes divins ou bien les vouloirs de la tradition. Mais la jeunesse suit quoi au juste? Je crois que si les leaders religieux pensent que les jeunesses se comportent mal, c'est à aider, à envoyer les messages. Quand même, dans toutes les religions, si les gens sont en train de faire autre chose, je crois que leur message permet les gens de revenir à raison, c'est-à-dire sensibiliser, donner des cours dans le sens, de rappel en ordre. Mais il ne suffit pas de constater que les gens ne sont pas, je crois que, ou bien ils sont en train de faire des choses. C'est un constat quand même. Mais donc si tel est le cas, il est conseillé dans les religions de rappeler les gens en ordre. Bien sûr. Voilà. Mais ils se plaignent, disent que la jeunesse ne suit pas. Ils parlent, mais la jeunesse ne suit pas. Les chefs de Seigneur disent que non, on dit aux jeunes, la tradition dit ça, veut ça, veut ça. Les jeunes disent que non. Et ils sont en train de marcher. Comme le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Un message, Père, par rapport à la jeunesse, par rapport à ce que la loi dit, la loi défend, la loi autorise, et par rapport aussi à la cohabitation pacifique. C'est difficile, hein? Non, Père. Je passe d'abord par la cohabitation pacifique. J'ai coutume de dire que rien ne vaut la paix. Et tout homme qui vit, que ce soit
chez lui ou bien en dehors de chez lui, il veut toujours être en paix avec lui-même d'abord et avec les autres. Donc notre vie ne peut être possible que si nous sommes en paix avec nous-mêmes et avec nos concitoyens. Et il y va de notre essence. C'est pourquoi nous, les Tchadiens, on est appelés à transcender, à surpasser certaines de nos pulsions pour voir dans la même direction. Nous sommes des frères et sœurs. Et je remercie une fois de plus votre plateau pour devoir toujours véhiculer ce message de paix, pour qu'on puisse léguer cet héritage à nos enfants à venir. Et à l'endroit des jeunes, la jeunesse, sans des préceptes religieux, sans des préceptes traditionnels, la jeunesse ne peut pas avoir de boussole. Bien sûr. C'est pourquoi s'ils veulent arriver à destination, il est de leur devoir de se conformer aux valeurs de la tradition et aux valeurs religieuses. Merci. Merci. Père, on revient à vous. Un message à la jeunesse et par rapport à la cohabitation pacifique. En ce qui concerne la cohabitation pacifique, je crois que nous devrons conformer aux textes de la République et où nous religions. Entre les religions, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. Toutes les religions nous rappellent et nous guident dans le bon sens. Donc, il suffit de se conforter. Et regardons un peu qu'est-ce que nous, religions, ont dit. Et on se conforme également aux lois de la République. C'est très simple de régler ces problèmes. Et c'est un problème de conscience également. Que voilà, et d'éducation également. Donc maintenant, il est temps que les Tchadiens vivent ensemble dans les cohabitations pacifiques. Rien de grave. Il suffit de respecter nos textes, comme je vous ai dit, et donner respect un peu à nos religions. Tout est déjà conseillé, tout est déjà détaillé. Mais si on est en train de marcher sur tout ça, je crois que ça pose problème. Et c'est possible à régler. Donc, les chemins sont clairs, mais si on dévie les chemins, toujours il y a des conséquences. Merci. Les chemins sont clairs. Si on dévie les chemins, il y a toujours des conséquences. Le chemin, c'est la religion, c'est les us, les vouloirs, les valeurs de nos traditions qui nous recommandent de vivre ensemble et mener une vie harmonieuse. Chers téléspectateurs, j'espère que le message est plus que passé. Merci d'avoir suivi cette émission avec attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci. Je vous en prie.